Hey, allez, je voulais relancer une partie sur Maki pour deux raisons. La difficulté, lancer des missions un tout petit peu plus difficiles et faire des petites mises à jour sur les règles, car j'avais fait la vidéo un petit peu à la va-vite, sans penser qu'elle finirait sur YouTube. Là, on fait des petites mises à jour. Allez, on ressent le bon vieux Maki. Merci pour tous vos retours d'ailleurs, hein, c'était vraiment. C'est des messages qui font vraiment plaisir à lire. Hop, on ressort notre plateau. Je ferai un focus plus important pour ceux qui n'arrivent pas à le voir, vous inquiétez pas. On va sortir les meeples. On va ressortir toutes les ressources. Les salles spéciales. Hop. Les cartes patrol, les deux pistes de suivi, la petite aide et les missions. Cette fois, on va faire les missions à deux étoiles. C'est l'excuse pour pouvoir en refaire. Alors, les précisions que je voulais apporter au niveau des règles se trouvent au niveau des fields ici. Je vais grossir, hop. Hop, on fait un petit focus. Donc, au niveau des fields qui sont ici, dans la vidéo vite fait que j'ai fait la dernière fois, j'ai dit qu'il fallait aller y aller une première fois, de réclamer ce qu'on voulait, à savoir soit un de monnaie, soit un d'armes, soit trois d'argent, trois de bouffe, et qu'on y retournait une deuxième fois pour le récupérer. Effectivement, il faut le faire en deux temps, mais dans un autre lieu. Le lieu, c'est la radio B ou la radio A. On envoie un message radio pour avoir un airdrop sur les champs, et on va les chercher dans un deuxième temps. Donc c'est bel et bien en deux fois, mais pas sur le même lieu. Voilà. Petite précision également, ici, nous avons des petits carrés orange qui représentent la parade qui baisse le moral, mais également des petites flèches noires que vous voyez. Les petites flèches noires, c'est aussi pour régler la difficulté, parce que ce jeu ne se règle pas que la difficulté par les étoiles de mission, c'est juste le gameplay qui va en découdre, mais vous pouvez accélérer la baisse de morale avec tout un système de difficultés. Il y en a quatre possibles. Voilà la petite mise à jour que je voulais faire. Je change, je mélange les cartes patrol. On va prendre le rouge pour les soldats, le blanc pour le moral et le bleu pour la traque tout en haut. Peut-être le bleu pour le moral et le blanc pour la traque. Allez, on va faire dans ce sens-là. Les missions, on va en tirer deux. Ah bah allez, ces deux-là. Nous allons avoir le message codé. Alors, je vous montre ça en direct pour que vous puissiez le voir. Le message codé. Alors, en résistant. J'y arrive, Josh Biden. Le résistant doit arriver donc du coup ici avec. Un d'armes, un de bouffe et un de monnaie. Il doit être placé ici le jour 6 et y repartir le jour 10. Hop. Ok. J'arrive hein, pour les questions de chat. Ici, l'assassinat. L'assassinat. Je dois tuer toutes les milices. Oh, je dois tuer toutes les milices pour compléter cela. Donc les milices, c'est-à-dire que je dois tuer 5 miliciens. Oh, ça va être dur. Ça va être dur. Je finis la mise en place et je réponds aux questions. Donc 3 résistants en safe house, 2 résistants au café. Les questions du chat. Joypad qui me dit, je ne connais pas ce jeu, tu l'as trouvé ça où?
Alors ça, c'est l'édition d'un Kickstarter, mais le jeu Maki en lui-même, tu le retrouves sur BGG. C'est un print and play téléchargeable gratuitement. Donc Maki BGG, tu télécharges le fichier, tu l'imprimes, il est à toi. Salut Socaris, et une demande également. Tu as fini la partie de la semaine dernière. Sur Maki, oui, sur tous les autres jeux, tu verras ça juste après. Ouais, Joypad, c'était le principe du print and play de la semaine dernière, ce qui m'a fait revenir sur la vidéo. Allez, on se lance. Stratégiquement, ça va être compliqué quand même, parce que je vais devoir me séparer d'un de mes résistants. Du 6 au 10. C'est énorme. C'est énorme. Par contre, ça veut dire que malgré tout, entre le 6 et le 10, c'est pas considéré comme résistant. Ah, peut-être que si. On verra ça. Et après, je dois avoir 5 d'armes pour pour tuer tous ces miliciens. Ça va pas être facile. Salut Socaris, ouais, ciao, à bientôt. Alors, déjà, il me faut de la bouffe, de la monnaie et des armes. Je vais déjà aller à grosseur pour garder cet axe-là pour rentrer à la maison facilement. On va avoir grosseur, justement, Pont du Nord. La milice qui est au nombre de 3, pardon, parce que 3 résistants et le moral ici m'indiquent un numéro 3. 3, j'ai pas fait ça dans l'ordre. Pont du Nord. Ok pour ça. Mon résistant. Je voudrais. Pourquoi pas aller tout de suite au Black Market? Pourquoi pas aller au Black Market tout de suite? Pont-l'Évêque. Ça me va. Et Radio B. Allez, pourquoi pas. Lui, il va aller Pont-l'Évêque, Black Market. Donc, Pont-l'Évêque, c'est pris. Black Market, c'est pris. Docteur. Ouf, on a eu chaud, hein. Parce que là, je rappelle que si le troisième était pris par. Imaginons que c'était grosseur à la place de docteur ici. Un de mes résistants sautait. Tour 1. C'était relativement chaud. Résolution des actions. Grosseur, je vais donc avoir un de bouffe. Ici, je vais y aller franco et rapidement. Je vais dépenser ma bouffe pour avoir un de thunes et baisser mon moral. Il peut rentrer à la maison, pas de souci. À ce niveau-là, je vais faire un airdrop. Ici, pour avoir une arme dans le field. Hop. C'est tout bon. On arrive donc du coup. Prochain tour. Donc là, j'ai déjà la thune. Il me faut la bouffe et un d'armes. Je vais pouvoir l'avoir facilement, l'arme. Combien de résistants? On a baissé de morale, on est à 3, c'est tout bon. Je vais pouvoir donc avoir 3 miliciens. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai comme. Là, je peux avoir du moral. Il va falloir que peut-être que je fasse la propagande pour avoir quand même une option pour remonter le moral facilement. Je vais continuer à aller aux grosseurs. On aura Radio A. Ok. Je vais aller. Est-ce que je fais la même action pour mettre une deuxième arme ici? Ou est-ce que je vais au black market pour avoir un deuxième d'argent pour acheter la salle? Et black market, ok, et docteur? Le problème, c'est que si je refais ça, je vais baisser le moral directement à 4.
Et du coup, il y aura 4 miliciens, alors que moi, je n'aurai pas 4 résistants. Ça va être un petit peu compliqué. Il me faut impérativement que j'aie de la thune pour faire cela. Je peux le demander en airdrop. Donc, je vais le faire ça et je vais voir après comment ça se passe, comment il se positionne pour faire ce que je fais, pour savoir ce que je fais. Grosseur, port district. Alors, grosseur, ok, port district ici. Donc là, de toute façon, s'il va dans Pont-l'Évêque, il y a quand même une chance que je me fasse avoir. Alors que si je vais dans Radio B, allez, je le tente comme ça. Je refais le même tour. Et lui, il fait quoi? Radio B, non. Rubarada, ici. Ah, j'aurais pu y aller. Tant pis. Alors, effet de grosseur, j'ai un de bouffe. Effet de black market, je baisse mon moral de 1. Et j'ai un deuxième de thune. L'effet de radio B, je vais demander une arme. Ça marche pour ça. Hop. Deuxième tour. Là, j'ai donc du coup 3 résistants, mais 4 de morale, ce qui me donne 4 de miliciens. Je vais commencer toujours par grosseur. Radio A, tu peux. Alors, Arcadia qui me pose la question. Radio A, tu peux récolter sur n'importe lequel des deux champs. Pareil pour Radio B. Ouais. En fait, Radio A ou Radio B, tu demandes un support de te faire parachuter des ressources. Donc, soit un d'armes, soit trois de bouffe, soit un de monnaie. Que ce soit là ou là, et tu le parachutes sur l'un des champs vides. Là, par exemple, je ne peux plus le faire. Je ne peux pas stacker des ressources pour y aller en une seule fois. C'est s'il est vide, je peux en envoyer. Donc j'étais à grosseur. Là, le milicien, le premier des quatre, arrive à Fancy. J'utilise énormément les informations parce que c'est deux actions pour l'avoir. Mais du coup, ici, quand je vais les chercher, c'est safe. Autrement, je pourrais avoir de la bouffe pour le changer en armes, en argent, et l'argent, je pourrais le changer en armes. Je préfère, au lieu de faire 1, 2, 3 avec une baisse de morale, je préfère envoyer directement l'arme dans le field et chercher après dans le field. C'est moins risqué. Voilà, bon, attendez, on verra si ça marche, mais pour moi, c'est ça. Donc, grosseur. À partir de là, je vais aller acheter une place spéciale. Fancy bu rue Barada. Rue Barada. Mon troisième, il va aller recruter un résistant, parce que quitte à avoir quatre miliciens, autant avoir quatre résistants. Et deux autres miliciens, ils vont faire radio B et radio A. Résolution des actions. Grosseur, je vais avoir un de bouffe. Ici, je vais dépenser un de bouffe pour avoir un résistant. Et là, je vais dépenser deux de thunes pour acheter le propagandiste. Donc, tout ce que j'ai fait là m'a permis juste de faire cela. Et là, on change de tour, tour 3, orange, tour de parade, morale de 3. On a déjà perdu la moitié de notre morale, hein. Il nous faut éliminer tout ça, mais je veux le faire qu'en deuxième partie de game, parce que sinon je vais forcément me faire avoir. Donc, parce qu'à cause du moral, parce que quand je le tue, ok, ça fait popper un soldat, mais d'un autre côté, j'ai moins un de morale. Donc, faut que je puisse gérer mon moral avant. Et je veux faire ça avant, parce que là, c'est du 6 au 10. Du 6e au 10e tour, je dois laisser un résistant là-bas et lui emmener un d'armes, un de bouffe et un de thunes. Donc, voilà. Donc, morale de 3, ça donne
4 miliciens et 4 résistants, 4 du coup miliciens. Premier, grosseur toujours, pour avoir la bouffe, pour le message codé. Et ça me donne une entrée pour ma maison safe. Ici, pour l'évêque, pour le premier. Ok. Le deuxième. J'aimerais bien aller à Radio B, ça ferait deuxième, troisième et quatrième. Et je ferai un statu quo là-bas. Allez, je le fais ça, je fais toujours le même parcours. Je suis vraiment à l'est de la rivière. Fancy. Fancy. Hop. À moi, je vais toujours à la radio. Ah non, je peux pas aller à la Radio B, ça sert à rien. Je vais aller dans le... Si, je vais aller dans le field. Je vais aller dans le field et je vais récupérer un d'armes. Radio B, on a bien fait. Rue Barada. Rue Barada. Ça marche. Dernier, on va aller récupérer le field, justement. Et dernier milicien, Radio B, c'est occupé. Grosseur, c'est occupé. Black Market, c'est occupé. Oh là là. Ah, la douille. Donc, il tue un de mes miliciens. Et j'ai pas de airdrop. Pouah, ça fait mal. Oh, ça fait super mal. Quoique. Ah si, Radio B, j'ai pas le choix, c'est le premier en haut. Ok. Trah, zut. Allez, je récupère donc un d'armes. Je récupère un de bouffe. Et la question. La question, c'est est-ce que je baisse encore mon moral de 1 ou pas? Non, je vais pas baisser mon moral de 1. Non, c'est trop dangereux. Je le fais pas. Hop, je suis à 4. Tour 4. J'ai 3 résistants, mais moral de 3, je suis toujours à 4 miliciens. Le premier va encore récupérer de la bouffe. On ira. Arcadia qui dit ça m'arrive tout le temps. Ouais, mais ça. Allez, c'est. Moral impactant quand même. Hein. Radio A. Faut que je gère un petit peu mon moral. Mais il faut que j'ai aussi de la thune. Donc, je vais aller au Black Market. Ici, j'ai Radio A, rue Barada. Rue Barada. Et là, est-ce que je refais ce que je voulais faire tout à l'heure, à faire drop quelque chose ici? Dans ces cas-là, ça me servait à rien d'aller là. Non, il faut que je l'aie. Il faut que j'arrive. Ouais, je vais dropper. Allez, on tente. Faut pas que ça arrive une deuxième fois. Fancy. Et le dernier, pour l'évêque. Ok, ça marche. Ça a marché cette fois. Ici, on récupère un de bouffe. Ici, je vais envoyer un de... Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je baisse encore mon moral? Ouais, je vais baisser encore mon moral. Je vais enlever un de bouffe pour avoir un de thune et je baisse mon moral, il est à 2. Hop. Et le airdrop... Je vais pas faire de la thune, je vais faire encore une arme. Il va me falloir des armes à tout va. Mamie Lucky qui dit qu'elle aurait tenté. Je vais lancer des armes. Parce qu'il va m'en falloir 5 plus 1, 6 à cause de ça. Allez, on change de tour. On est à tour 5. Au tour 6, on baisse encore le moral et on arrivera à 5. Là, il faut que je gère vraiment le moral. Le premier, je retourne. Est-ce que je vais vraiment à grosseur? Oui, je vais vraiment à grosseur. Première milice, grosseur, pont du Nord. Pont du Nord.
Deuxième milice, on va augmenter le moral. Grosseur, port district. Donc du coup, il me reste un seul résistant. Pour l'instant, il me fallait du tour 6. Il fallait que j'en mette un là-bas. Et qu'il restait du tour 6 au tour 10. Il fallait un d'argent, une arme et un de bouffe. Donc pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. J'ai ce qu'il faut pour le tour 6. Ça a été géré comme ça. Donc le dernier, je vais pas, c'est pas besoin d'aller chercher une arme tout de suite. Je vais plutôt aller chercher un autre résistant. Parce que du coup, là j'en ai que 3. Si j'en mets un là-bas, ben, j'en aurai plus que 2. Donc je vais chercher un autre résistant. Troisième, pont l'évêque. Et le quatrième milicien, grosseur, non. Port district, non. Docteur. Hop. Je récolte. Ici, je récolte un de bouffe. Très bien. Ici, je dépense un de bouffe. Ok pour ça. Et là, j'augmente le moral de 1. On récupère les miliciens. Sixième tour, parade, on baisse le moral. Sixième tour, il faut que j'y aille. Donc, je peux y aller en dernier, de toute façon, avec mon dernier, il m'en restera 3. Donc, je vais toujours aller chercher de la bouffe. Pont l'évêque. Alors, j'en ai combien? J'ai 4 résistants, 4 de morale, ok. Pont l'évêque. Deuxième résistant. Qu'est-ce qui est important? Maintenant, il faut que j'ai accès à l'information. Enfin, il faut que j'ai accès aux radios régulièrement pour avoir des armes. Est-ce qu'il y a une autre salle qui pourrait me donner des armes? Ça me donne de la bouffe et des médicaments, ça des informations. Ça, une safe house. Ça peut être relativement combo de mettre une safe house ici et de faire de l'information. Ça peut être intéressant. Ici, je peux faire des explosifs. C'est pas ce qui m'intéresse. Et là, je peux faire de la thune. Faire deux thunes pour avoir encore de la thune, ça sert à rien. Pour moi, il y aurait peut-être le safe house qu'il faudrait peut-être gérer. Mais j'ai que 3 résistants. Donc du coup, c'est quand même très compliqué. Je vais aller au black market. Lui, il va aller où? Radio B. Ah bah, il me coupe l'herbe sous le pied. Purée. Je vais aller faire du moral. Lui, il fait grosseur, pont du Nord. Pont du Nord. Et mon dernier, hop, au tour 6, il doit y aller. Ouais, Arcadia. Azenald, salut. Merci d'avoir switché de stream. C'est sympa. Alors, ouais, je suis d'accord avec Arcadia, la safe house pouvait être intéressante ici, mais le problème c'est qu'il faut que j'ai 2 thunes, mais je crois que je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher parce qu'il me faudra 6 armes pour gérer la milice. Donc je pense que je vais aller la chercher. Radio A. Ok. Faisons les actions. Ici, grosseur, j'ai 1 de bouffe. Ici, je peux même le ramener à la maison. Je pensais le sacrifier. Ah, même pas. Il reste là-bas. Il est coincé là-bas. Par contre, je dois dépenser la mission. Je vous le rappelle. C'est code name. Je vous l'affiche. Ici, hop. Donc, je dois dépenser les ressources qui me sont demandées là. Donc, de la thune, de la bouffe et une arme. Et je dois laisser mon résistant bloqué là-haut pendant du 6 au 10e tour. Donc, du coup, de thunes, un de bouffe et une arme. Donc il est bloqué là-bas jusqu'au 10e tour. Ça va être chaud.
J'ai fait son action, j'ai fait son action. Lui, l'action de morale, j'ai acheté la salle spécifique pour augmenter le moral, j'augmente le moral de 1. Et là, toute la question est là. Est-ce que je génère encore de la thune ici au détriment du moral pour aller chercher l'autre safe house ici? C'est ma strat depuis tout à l'heure d'aller chercher la radio B. Et ça me rendrait tout le côté est de la ville un peu beaucoup plus safe. Donc c'est ma strat, j'y vais, je joue, c'est tendu hein, au niveau moral, mais je le fais quand même. Je dépense un de bouffe pour aller chercher un de thunes, et je baisse mon moral de 1. Attention, il me faut 2 de thunes pour aller chercher ça. Hein. Donc il faut que je répète l'opération encore une fois. La milice retourne au quartier général, on baisse de tour. Ok. On recommence. Grosseur. Pour avoir de la bouffe. Radio B. Alors, pardon. Avant ça, j'ai 3 résistants, morale 4. Non, j'ai 4 résistants, parce que lui, il compte. 4 résistants, morale de 2, ça me donne un 4 de milice. Donc, j'ai 4 milices à placer ce tour-là. Radio B. Je vais faire la même. Je vais faire la même, mais après au tour 9, ça va être compliqué d'aller le chercher. Hein. Black Market, pour faire encore un de morale de moins. Lui, il va aller dans le fancy. Moi, je vais compenser ma perte de morale en allant faire de la propagande pour remonter mon moral, obligatoirement. Lui, il va aller dans fancy, pont du Nord. Fancy, ok, pour l'évêque, pont du Nord. Et le dernier, parce que moi, j'ai plus de mon résistant est bloqué ici jusqu'au tour 10, Radio A. Radio A. Ok pour ça. Résolution des actions. Je prends un de bouffe. J'augmente de 1 mon moral. Parce que je peux toujours rentrer, hein, je suis safe. J'augmente de 1 mon moral. Ici, je dépense un de bouffe pour avoir un de thunes. Et je baisse mon moral de 1. Là, au tour 9, on va refaire encore une baisse de morale. Hein. Les miliciens retournent à la casse départ. On change de tour. Donc, j'ai 4 résistants. Morale de 2, ça fait 4 miliciens. J'ai 4 miliciens à placer encore ce tour-ci. Je surfe avec la loose. Hein. 4 miliciens à placer. J'ai 2 de thunes. Je vais aller chercher tout de suite la radio B. Je vais aller chercher la radio B. En fait, mon idée, c'est de loquer la radio B. Alors, j'espère que lui va pas me le fusiller, hein, mais je loque la radio B. Le deuxième résistant, je le mets là et je déclenche la safe house. Et le troisième, je le mets là pour aller chercher l'arme. Comme ça, je libère le field, je le recharge et ils sont tous safe. Voilà mon idée. Dans le monde de Lucky, ça passe. Mais on va voir. Il commence par. Alors, ouais, il commence par grosseur. Ah ouais, il me bloque direct le. Ah du coup je peux pas faire le moral. De toute façon, je comptais pas le faire. Ici, je vais faire le safe house. Pont l'évêque. Pont l'évêque, ça marche. Troisième, on libère le field. Troisième milicien, fancy. Fancy, ok. Dernier, grosseur, ok. Pont du Nord, il n'est pas occupé, c'est tout bon. Pont du Nord. Résolution des actions. Ici, je dépense 2 de thunes pour me déclencher une safe house. Donc lui, il peut rentrer à la maison. Ce tour-ci, il m'avait complètement loqué ma safe house. Hein. Heureusement que je construis celle-ci. Hein. Merci de m'avoir encouragé, Arcadia. Safe house pour ça. Lui, il peut rentrer dans une safe house. Donc, non, pardon. Lui, il peut rentrer dans une safe house. Il prend ce qu'il y avait dans le field. Lui, il peut rentrer dans une safe house également, à la planque, et fait un airdrop. On va aller chercher une arme. Tout le monde est sauf. On reprend les miliciens. On bouge le moral de 1. Attention, on descend à 1 de morale. Si on perd encore 1 de morale, c'est la pain
Ouais, je t'ai eu chaud aux fesses, exactement. Si je perds encore un de morale, c'est la fin. Stratégiquement, attention, hein, on est. Alors là, j'ai 4 résistants, le moral est de 1, donc ça me fait 5 miliciens à placer. J'ai 5 miliciens à placer. Il faut vraiment que je gère le moral. On est bien d'accord que là, ça va s'accélérer. Il me reste maintenant le 10, et je vais récupérer mon quatrième. D'accord? Je vais le récupérer à condition qu'il puisse rentrer dans une safe house, hein. D'accord? Donc ça va être encore une autre paire de manches. À mon avis, il est mort, lui, hein. Mais il me restera 5 tours pour buter les 5 miliciens. Ça fait un par tour, mais à chaque fois que tu butes un milicien, tu perds un de morale. Donc faut vraiment que je monte le moral impérativement, parce que là je vais avoir un différentiel de 5 tours, 5 morales de plus 1, donc c'est bon, un différentiel de 2, donc j'ai 2 tours, ça fait un 2 tours pour le faire. Waouh, je peux pas y arriver. Il faut que j'utilise aussi cette action-là pour y arriver. Et que je récolte assez d'armes. C'est pas gagné. Il faut que j'augmente le moral, donc je suis obligé de passer par là. Et de toute façon, il me faut de la bouffe pour avoir ce moral-là également. Radio B. Purée. Je peux pas envoyer dans le field non plus. Je peux pas envoyer dans le field de toute façon. Il y en a 5. Si je vais ici pour les médicaments, ça va être l'enfer. Je vais jamais y arriver. Je suis obligé d'augmenter le moral. Radio B, grosseur, black market. Ah, je voulais me mettre là. Je voulais me mettre là pour un. Enfin, je voulais me mettre là. J'aurais perdu un résistant avec cette carte. Le troisième. Donc là, il reste trois, encore trois miliciens. Je vais aller chercher le docteur. Je vais aller chercher le docteur. On va y aller comme ça. On va voir ce que ça donne. Tu rêves. Merci des encouragements. Allez, fancy. J'ai plus de résistants, hein. Il n'y a que les miliciens, il faut que j'en place encore deux. Pont-l'évêque. Alors, déjà, lui, il ne peut plus rentrer. Mais j'ai une strat. Radio A. Ok, c'est bon. Ils ne m'ont pas tué au placement, c'est ce que je voulais avoir. Je vais avoir un de bouffe. Je vais augmenter de 1 le moral. Le docteur, si il peut rentrer dans une safe house, je peux avoir un médicament. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon arme pour tuer un milicien. Je tue un milicien, ce qui fait que ça augmente de 1 la traque des soldats. Je baisse le moral de 1. Et je gagne le médicament. Et lui, il peut rentrer à la maison. On récupère tout ça. Tour 10. Combien j'ai de miliciens? J'ai 3, 4 résistants, un moral de 1, ça me fait 5 miliciens. J'en ai plus que 4 en vie. Donc je change ça par un soldat. Le soldat sera placé en dernier. Tour 10, je peux récupérer celui-ci. Il faut qu'il puisse rentrer à la maison. Donc, est-ce que je fais 1. Voilà. Est-ce que je fais 1, 2, 3? Mais là, je ne peux pas récupérer d'armes. Il faut forcément que j'ai une arme. Il faudra que j'ai une arme là-dedans.
pour libérer peut-être un champ, pour peut-être espérer faire celui-ci. Donc ça veut dire tuer, ça veut dire perte de morale. Donc il faut que j'aille aussi ici. Et le dernier, si on tombe sur grosseur, ouais, peut-être que je tuerai le même. Je vais ici en radio B pour avoir une arme. Radio A. Radio A. Deuxième résistant. Je vais aller gérer mon moral. Fancy. Ah, oh, c'est tendu. Fancy. Alors déjà, lui, il peut plus rentrer à la maison. C'est comme s'il était mort. Lui, il va récupérer une arme. Et maintenant, il me reste les trois autres à placer. Donc, je vais enchaîner les trois cartes. Grosseur. Pouah, c'est compliqué. Pont l'évêque. Ah, il y a forcément un mort. Et grosseur, port district. Lui, il est forcément mort. Je peux pas le récupérer. Tant pis. Résolution des actions. Je vais chercher une arme. Avec lui, il peut rentrer à la safe house. Pas de souci. On va parachuter une arme. On va utiliser une arme pour tuer un milicien. On va augmenter... Ah non. Et non, je vais augmenter mon moral parce que je peux le faire vu que c'est une action gratuite. J'ai pas besoin de retourner à la maison. J'augmente mon moral, je tue le milicien, je baisse le moral, donc je reste au même niveau. Donc j'ai un deuxième soldat qui arrive. Hop. Et les armes, c'est tout bon. Donc je suis toujours à 5 de placement, mais avec 2 soldats. Lui, il est mort, mon deuxième résistant est mort, et la mission est faite. Il me reste 3 soldats à tuer. Donc... Je vais faire pont l'évêque. Non, à quoi ça sert? Si, pont l'évêque. Non, Arcadia, bah non. Radio B. Ok. Ah, je voulais aller demander une arme, tant pis. Je vais aller au port district. Fancy. Je vais aller récupérer une arme. Ouais, je vais aller récupérer une arme. Radio B, grosseur. Les deux derniers. Pont l'évêque, non. Black Market. Allez, s'il te plaît, m'en tue pas un autre, m'en tue pas un autre. Radio A. Ok, c'est pas occupé. Alors, résolution des actions, pour l'évêque, non, ici, port district, je vais dépenser les 2 que j'ai là pour augmenter mon moral de 1. Lui, il va récupérer une arme. Tout simplement. Et le reste, on fait rien. Tour 11. J'ai combien de miliciens? J'ai 3 résistants. Morale de 2, ça fait plus que 4. Donc du coup, j'ai 2 miliciens et 2 militaires. Ça tient sur le fil. Ah, je suis d'accord, il ne me reste pas beaucoup de tours en plus. Hein. Il faut que j'arrive à avoir une arme. Donc je vais faire radio B. Lui, il fait radio A. Moi, je vais aller gérer mon moral.
Oh. Non, je vais à grosseur. J'ai forcément à grosseur. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller pour gérer une deuxième fois mon moral? Ouais, peut-être. Je vais à grosseur. Lui, il va aller à Pont-l'Évêque. Et là, ouais, il faut que j'augmente de morale de toute façon, systématiquement. Il me reste deux à placer. Radio A, c'est occupé. Rue Barada. Rue Barada. Dernier, radio B, c'est occupé. Grosseur, c'est occupé. Black Market. Fouah, j'ai eu chaud. Résolution des actions. J'ai un de bouffe. J'ai un de morale. Là, on va baisser encore de morale. Donc, je vais peut-être pas le faire et je vais aller chercher une arme. Ici. Et c'est une safe house. On récupère tout ça. On change de tour. Je suis tour 12. Je baisse de 1 de morale. Je suis toujours à 2. Le 2 me donne 4 de coefficient de milice. J'ai 3 résistants, donc c'est toujours 4. À partir de là, je vais aller à Pont-l'Évêque. Ouais, je vais aller à Pont-l'Évêque. Il va aller à Fancy. Je vais aller à Docteur. Il va aller à Grosseur. Donc c'est très bien qu'il aille à Grosseur parce que je vais pouvoir, moi, aller gérer mon moral. Et je vais pouvoir le fusiller. Lui, il va à Pont-l'Évêque, c'est occupé. Black Market. Black Market. Et le dernier, Fancy, c'est occupé. Rue Barada. Rue Barada, c'est pas occupé. Ok. Résolution des actions. Donc je peux tout faire. Le Pont-l'Évêque, il est tout bon. Le docteur, c'est bon, je vais pouvoir récupérer un médicament. Je vais tuer le milicien. Ce qui fait que j'augmente encore sur la traque des soldats et je baisse mon moral de 1. Donc il y a un soldat qui arrive. Et lui, il augmente le moral de 1. 13e tour. J'ai 4 à afficher, j'ai 3 résistants. Il me reste 2 miliciens à tuer. Il faut que je sois sur le fil à 1 pour le voir apparaître en fait. Il faut que j'ai 2 armes. Je peux aller les chercher. Et là, je baisserai 1 de morale. Donc il faut que j'augmente mon moral. Je vais aller augmenter mon moral ici. Ouais. Lui, il va où? Il va à Radio B. Ça, c'est plus embêtant. Parce que ça veut dire que si les soldats arrivent ici, les soldats, je peux pas les tuer. Hein. Donc, je vais me sécuriser le Pont-l'Évêque pour pouvoir retourner avec lui. Radio A. Le dernier. Est-ce que je vais chercher une arme? Ah oui, j'en ai pas. Allez, gérer le moral, ça va être compliqué. Ouais, il faut que j'aille chercher une arme, de toute façon. Je vais chercher une arme. Lui, il va où? Il va à grosseur. Ok. Et il me restera un dernier. Le dernier ira grosseur, non. Port District, non. Docteur, oui. Ouf, j'ai eu chaud. Du coup, je peux récupérer une arme. Ça me va. Je vais, du coup, tuer un milicien. Ah, je crois que c'est la win. Je vais tuer un milicien. Ce qui fait que j'augmente de 1 la traque de soldier. Je perds 1 en morale. Lui, il ne me sert à rien. Et lui, je vais dépenser mon médicament et ma bouffe pour récupérer un de morale. Je récupère tout ça.
14e et dernier tour, je baisse le moral, je suis à 1. Donc le 1, ça me fait arriver 5 méchants et 4 soldats et un seul milicien. Oh, c'est la win, c'est bon, c'est fait. Je vais aller gérer mon moral. Lui, il va aller à grosseur. Je vais aller chercher mon flingue. Lui, il va aller à Pont-l'Évêque. Moi, je vais aller... Où pour le troll? À la radio pour annoncer que j'ai gagné. Lui, il va aller à la radio B, c'est occupé. À grosseur, c'est occupé. Black Market. Black Market. Avant-dernier, radio B, c'est occupé. Rue Barada. Rue Barada. Et le dernier, Fancy. Résolution des actions. Ici, je récupère mon arme. Là, j'augmente mon moral de 1. Alors, ouais, j'augmente mon moral de 1. Je tue le dernier milicien. Ça fait ça. On diminue de 1. Et lui peut parachuter encore une arme. Ici. J'ai réussi à buter tous les miliciens. Sur le fil au dernier tour. Nickel. C'est vraiment ça qui nous a fait gagner la game. Hein. La petite salle spéciale avec le petit bouclier qui permet de ne pas rentrer à la maison pour la faire. C'est clairement ce qui nous a fait gagner la game. Mais sur le fil. Donc là, c'était 2 missions, 2 étoiles. Donc je suis content d'y être arrivé. Et on peut corser la difficulté avec les autres tracks ici en augmentant la difficulté et l'arrivée des miliciens. Allez, bon, on se lance dans le prochain jeu. Je vous dis tchou tchou tchou, faites un petit F5 pour relancer le live. Allez, tchou tchou, à tout de suite.